Salut, dans cette vidéo, je te propose de voir une petite étude assez simple pour apprendre à mélanger le jeu en accord et le jeu en single note. Donc, ça va consister en deux accords qui vont tourner en boucle, un La mineur, une mesure de La mineur et une mesure de Sol majeur. Et à chaque fois, sur le premier et le deuxième temps, on va jouer notre accord. Et sur le troisième et le quatrième temps, on va jouer des petites phrases assez simples. Donc j'ai écrit des phrases relativement simples dans l'ensemble. Après, il y a des phrases qui vont être peut-être un petit peu plus compliquées, mais tu peux tout simplement sauter ces phrases si elles sont trop compliquées pour toi. Alors le but de cette petite étude, c'est déjà que tu sois capable de jouer quelque chose d'assez musical, juste avec ta guitare, donc sans que tu aies besoin d'un backing track ou de quoi que ce soit. Et aussi, ça va t'aider, le fait d'apprendre des phrases comme ça, par cœur, ça va t'aider par la suite si tu veux improviser tes propres phrases, parce que tu vas savoir instinctivement où il faut jouer les accords et où il faut jouer les phrases en single note. Alors avant de commencer, je voulais te rappeler que tu peux accéder à la tablature au format PDF et au format Guitar Pro. Donc c'est gratuit, il faut cliquer sur le premier lien en description et s'inscrire sur le site dans la section ressources. Et dans la section ressources, tu vas aussi trouver une vidéo bonus. Et dans cette vidéo bonus, tu vas retrouver une deuxième partie à cette étude où là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on va avoir plus d'accords et des phrases un petit peu plus compliquées. Donc je te laisse aller voir ça, c'est le premier lien en description. Donc pour ce morceau, on a besoin de La mineur et de Sol majeur. Donc tu peux les jouer comme ça. La mineur, Sol majeur. Alors moi je les ai joués à la Hendrix. Donc comme ça, avec la basse, avec le pouce. Donc c'est à toi de voir ce qui est le plus simple pour toi, mais les deux versions vont fonctionner. Et donc sur les 16 premières mesures, on va juste tourner autour de ça. La mineur, Sol majeur. Et donc le principe, c'est qu'on va jouer la basse sur le temps et on va faire tchac sur le deuxième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc, etc. Et donc on va faire tourner ça tout le long. Donc déjà, si tu veux, tu peux t'entraîner avec un métronome à faire tourner juste ces deux mesures en boucle. Et donc sur les temps vide, sur le troisième et le quatrième temps, on va jouer des petits licks. Donc les deux premiers licks sont vraiment très simples. Je te joue les deux premières mesures. Donc c'est un petit peu des questions-réponses comme tu peux l'entendre. Donc le premier lick, c'est juste deux notes jouées en noir. Et le deuxième lick, c'est la même chose mais dans l'autre sens en gros. On a juste ce bend qui est joué deux fois, mais on attaque qu'une fois à la main droite. Donc ça, c'est les deux premières mesures, il n'y a aucune difficulté particulière. Et tu peux déjà t'entraîner à faire tourner juste ces deux mesures-là jusqu'à ce que tu arrives à faire groover ça. Tu peux faire tourner ça en boucle jusqu'à ce que le groove devienne naturel pour toi. Ensuite, les deux mesures suivantes, cette fois, au lieu de jouer des noirs, on va faire des croches. Donc, la première de ces deux mesures. Voilà, on passe juste de la première à la deuxième position en faisant un petit slide ici. Et la deuxième de ces deux mesures. Donc encore une fois, c'est un petit peu des questions-réponses. Là, on passait de la première à la deuxième position.
Et là, pour répondre, on va aller dans l'autre sens, en fait. Donc ici, on a une appoggiature de la blue note à la quarte. Ensuite, tierce mineure, tonique et septième mineure. Ensuite, les deux mesures suivantes, les mesures 5 et 6, cette fois, on va jouer des doubles croches. Donc ici, on va démarrer le lick sur le E du 2. 1, 2, et. 1, 2, et. Et ici, tout ce qu'on va faire, on va tout simplement monter et descendre la gamme blues en rajoutant ici la petite blue note en appoggiature, encore une fois. Donc je monte jusqu'à cette note. Et ici, je descends. Je fais la petite appoggiature sur la blue note. Donc c'est vraiment juste monter et descendre la gamme. Et la seule difficulté, c'est de le jouer proprement d'un point de vue rythmique. Et ensuite, le même principe sur l'accord de sol. Sauf que cette fois, on va tout simplement descendre notre gamme en partant de la 8e case de la corde de mi aigu. Et on va terminer par un petit double stop. Donc c'est un barré de la 5e case des cordes de sol et de si. Ensuite, 7e et 8e mesure. Donc ici, c'est des double stops. Alors sur l'accord de La, c'est un petit peu plus compliqué. Alors là, peut-être que tu t'en es rendu compte, mais c'est inspiré de Little Wing de Jimi Hendrix. Il fait un truc comme ça sur l'accord de La à un moment. Quelque chose comme ça. Et donc ici, c'est inspiré de ce passage de Little Wing. Donc on va démancher par rapport à notre première position, après avoir joué le La mineur. On démanche de deux cases. Et ici, on va faire un barré sur la septième case de la corde de Ré et de Sol. On va faire un hammer-on en neuvième case pour aller chercher la neuvième de notre accord. Et ensuite, on rejoue, on enlève notre troisième doigt et on rejoue cette septième case de la corde de Ré et de Sol. Et on fait un slide jusqu'à la cinquième case. Et on replace notre troisième doigt en septième case. Donc là, on joue septième case corde de Ré et cinquième case corde de Sol. Et là, on va faire... Donc là, il y a un saut de corde, on va jouer hammer-on 5 à 7 sur la corde de La. Et on va jouer la corde de Sol en 5e case. Et là, on va faire un slide de la 5e à 6e case en corde de La. Et on va jouer la 7e case corde de Sol. Donc voilà, ce lick n'est pas simple du tout. Ensuite, sur l'accord de Sol, donc c'est beaucoup plus simple ici. Donc c'est juste un barré des cordes de Si et de Mi en troisième case. On va faire un slide en cinquième case. On revient. Et ensuite, on fait un barré de la cinquième case de la corde de Sol et de Si. Thank you.
Alors ça, c'était les 8 premières mesures. Ensuite, on a les mesures 9 et 10. Donc là, on monte encore d'un cran en difficulté. Donc tu vois, ici, on va tourner autour de cette deuxième position. Et on va jouer pas mal de double croche. Donc ça, c'est le premier lick sur le La mineur. Donc la première note de notre lick, elle commence sur la dernière double croche de notre deuxième temps. Donc juste avant le troisième temps. Et notre troisième temps tombe donc sur la huitième case de la corde demi-aiguë. Notre tierce mineure. Et là, on va faire... bend. Donc il y a deux notes différentes ici, 10 sans le bend, et ensuite on fait le bend, c'est deux notes différentes. On revient 8e case corde demi-aiguë, 10 corde de si, 9 corde de sol, et on rejoue la tierce mineure en 8e case de la corde demi-aiguë. Ensuite sur la corde de sol, donc c'est encore une fois une réponse à la phrase qu'on vient de jouer. Donc bend de la dixième case, corde de mi aiguë, on rejoue dixième case, ensuite huitième case, 18 corde de si, et 8e case, corde demi-aiguë. Ensuite, les mesures 11 et 12, c'est beaucoup plus simple. C'est exactement pareil que les deux premières mesures. Voilà, donc c'est exactement la même chose, juste pour faire un petit rappel de ce qu'on avait joué au tout début. Ensuite, donc ça c'est les mesures 13 et 14, donc tu peux voir que les deux licks sont quasiment les mêmes. On va avoir hammer on 5 à 7 en corde de mi aiguë, donc la cinquième case c'est une appoggiature. Ensuite, cinquième case, 8 à 5 cordes de si. On refait notre petit hammer on en corde demi-aiguë. Et on joue la tonique. Ensuite, sur la corde de sol, c'est quasiment la même chose. Sauf qu'on termine comme ça par un léger bend de la tierce mineure et on termine sur la tonique encore une fois. Enfin, on arrive aux mesures 15 et 16. Donc sur le La mineur, on a des petits double stops sur les cordes de Sol et de Mi aigu. Donc en fait, on va tout simplement jouer les notes de notre gamme. On va rajouter aussi la petite neuvième ici. Donc je te conseille de jouer comme ça, en étouffant la corde de Si avec le doigt qui joue la corde de Sol. Comme ça, tu peux le jouer au médiator, ou alors tu peux le jouer en chicken picking comme ça. Donc avec le médiator qui joue la corde de sol et le deuxième doigt qui joue la corde de mi aiguë. Voilà, il faut choisir la version que tu préfères. Donc on a 9e case corde de sol et 8e case corde de mi aiguë.
Ensuite, 7e case, corde de sol et corde de mi aigu. Et 5e case, corde de sol et corde de mi aigu. Et sur notre accord de sol, on va jouer notre accord. Et on va rajouter ce petit accord ici. Ça, en fait, c'est un sol 6-9. On a juste notre sol joué sur la corde de mi en 3e case. On étouffe la corde de la. On joue la corde de ré à vide, donc ça nous donne la quinte. Avec le premier doigt, ici, je joue la 2e case corde de sol, donc c'est la 9e. Je joue si à vide, c'est la tierce majeure. Et mi à vide, c'est la sixte majeure. Donc voilà, c'était les 16 premières mesures de cette petite étude. Tu peux apprendre les 16 mesures suivantes si tu veux dans la vidéo bonus. Donc il suffit de s'inscrire gratuitement au site. Je te mets le lien en description. Donc amuse-toi bien avec cette petite étude et je te vois la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut !